crois qu'on peut partir par là. Jonah, donne-moi un coup de main. Ouais. À 3, 2, 1. Ça va aller? Je veux bien que tu m'aides. Ton dos est salement amoché. Je vais préparer le campement. Laisse-moi jeter un coup d'œil. C'est pas joli. Tu sais, avec tout ce qu'on traverse en ce moment, je pense à mon frère. J'ai toujours essayé de le protéger. De mon père. De lui-même. Mais je l'ai perdu. T'as fait ce que t'as pu. Si j'avais été au bon endroit, au bon moment, il serait encore là. Si j'avais eu des yeux derrière la tête. Tu peux pas protéger tout le monde. Il me manque. Je sais. Mes parents. Ils me manquent tellement. J'ai rêvé de ma mère il n'y a pas longtemps. Ah oui? C'était tellement réaliste. Quand j'étais petite, mon père n'arrêtait pas de me cacher des choses.
des secrets. Sur elle, notamment. Pourquoi il faisait ça ? Après la mort de ma mère, il a cherché à m'épargner. Ça m'a jamais empêché d'être curieuse, bien sûr. Ouais. J'ai encore tellement de questions. Ton père a créé autant de mystères qu'il en a résolu. Dominguez a dit qu'il voulait utiliser la boîte d'argent d'Ischel pour refaire le monde. Si toi, tu avais ce pouvoir, tu en ferais quoi ? Je paniquerais déjà. Tu reviendrais pas à l'époque où ton frère était vivant pour le retrouver ? Et perdre tout le reste ? Non, non. J'aime bien ce monde. C'est... Il n'est pas parfait. Mais tout ce à quoi je tiens, maintenant, s'y trouve. L'aventurière Lara Croft doit triompher du roi, atteindre la tombe interdite et résoudre le mystère de la Reine Blanche. Mais la route sera semée d'embûches. Lara, ça avance tes exercices de masse. L'aventurière ne doit pas traîner une seconde. J'ai presque fini. Les murailles du château l'appellent tentatrice. Au-dessus d'un lac de lave en fusion. On dirait qu'il y a quelque chose là-haut, dans le nid du corbeau. L'épreuve de vérité. Notre héroïne devra viser dans le mille pour faire descendre ce panier. Le sol se dérobe. Lara plonge dans les ténèbres.
La tombe interdite l'appelle. Le trésor apparaît soudain. Je crois que c'est quand on a fait de la randonnée à El Memcha. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs, si ce n'est l'odeur des épices au bazar. Mes parents ont l'air tellement heureux. C'est pas juste. Pourquoi est-ce qu'elle est morte si jeune? Incroyable. Croft pénètre dans une chambre funéraire, inviolée depuis plus de 1000 ans. Notre héroïne croise d'étranges créatures. Elles sont peut-être sanguinaires. Que disait Père déjà ? Les œillets sont apparus là où les larmes de la Vierge Marie sont tombées. Les portes du château sont bien gardées. C'est pour ça que notre héroïne évite la porte d'entrée. Ocre chevalier, victime de la malédiction du roi, condamné à rester pétrifié et prévenir des dangers de la tombe interdite. Pour la tombe interdite. Notre héroïne ne doit pas faire de bruit pour ne pas alerter le roi. Atlas. Je vois. Vous n'avez pas l'air de comprendre. Mais quel est le rapport avec Lara? Elle est dans sa chambre. Elle fait ses devoirs. Elle n'a pas beaucoup de temps. La garde royale ne s'attendra pas à ce que Croft escalade le château. La tour du château est plus haute qu'attendue. Notre héroïne continue son ascension pour trouver une entrée. Notre héroïne remarque une autre entrée. La jeune Lara risque une chute mortelle en avançant, mais elle fait le vide comme son esprit. Oh. Ah !
est presque. Elle reprend l'équilibre et sa progression. Direction la tombe interdite. Les parapets sont endommagés. Elle va devoir se faufiler. Elle est si proche qu'elle peut presque la toucher. Mais un champ de force invisible l'empêche d'avancer. Elle doit trouver une autre entrée. Notre intrépide aventurière a atteint le sommet. Plus bas. Elle doit rester sur ses gardes. Mais dans quoi je m'embarque encore? Oh merde! Enfin, elle pénètre dans la tombe interdite. Waouh! De nuit, la chauve-souris a volé la reine par 30 nord et 90 est. De sa plume, elle décrit son cœur. Et de la lumière jaillit son amour libéré. La reine blanche se sent peut-être seule. Les coordonnées ont peut-être un rapport avec le globe. Notre héroïne a mis 2 ans à reconstituer cette carte. Elle a passé des nuits entières dans des bibliothèques poussiéreuses à feuilleter d'anciens volumes. Elle a exploré des navires envoyés par le fond et déjà pillés. Elle a remonté chaque piste, même la plus ténue. Si elle parvient à récupérer le trésor, notre courageuse aventurière aura peut-être l'honneur de devenir l'assistante de Lord Richard Croft. Cette illustration énigmatique, retrouvée dans un mausolée maudit et désert, pourrait être ce dont notre vaillante aventurière a besoin pour enfin retrouver le trésor perdu de la Reine Blanche. Elle a réussi à déchiffrer d'anciens textes et trouver plusieurs indices. Des coordonnées, une chauve-souris géante et plusieurs pièces de jeu alignées. L'intrépide Lara n'a plus qu'à comprendre ce que tout cela signifie. Le mot disait 90 degrés est et 30 degrés nord.
Cette illustration énigmatique retrouve... Cette illustration énigmatique... Jaillit son amour libéré. Ça a marché! Je dois trouver la Reine Blanche. Croft a rejoint la mezzanine interdite. Elle va devoir se méfier. Ça vient de Colombie. Un masque de chef Zenu. Je me demande si ses yeux ont vu l'aile Dorado. On dirait que c'est Maya. Kukulkan, peut-être. Je me demande qui sont ces deux chiens. Des crânes d'animaux. Un présage de mort et symbole de grand changement. D'où qu'on les regarde, ces masques ont l'air de vous observer. Je n'avais jamais vu certains de ces artefacts avant. Un ossuaire. Il contient les os d'une personne décédée. L'inscription est illisible. C'est le genre d'armure que portaient les conquistadors pendant les grandes découvertes. Je me demande ce qu'ils ont trouvé. Une statue d'un hariki. Ça vient des îles Cook. 25e dynastie. L'intérieur du sarcophage est incroyablement élaboré. On dirait que c'est grec. Non, perse. Je me demande ce qu'elle peut garder.
doit trouver la Reine Blanche. Un masque tribal africain. Tout en or. Ashanti, peut-être. Le masque mortuaire d'Agamemnon. Trouvé à Mycène. Une lionne perse. Mais quelqu'un lui a pris sa tête. Je me demande ce qu'elle regardait. La coupe de Saint-Jean. L'apôtre avait reçu un calice de vin empoisonné. Mais il a béni la coupe et le poison s'est transformé en serpent. Il a donc pu boire le vin sans problème. C'est un très vieux jeu. Deux boucliers et une couronne blanche. La reine blanche, peut-être ? La tête du roi David. Le berger est devenu roi. Quel destin ! Une citation de Chaucer. Quoi de mieux que la sagesse ? La femme. Quoi de mieux qu'une femme pleine de bonté ? Rien. Une barde de la moitié du XIVe siècle. Germanique, je dirais. Une barde pareille, ça devait être lourd pour ces pauvres chevaux. La pauvre bête devait à peine y voir derrière ce chanfrein. Pauvre reine. Marie-Thérèse est morte d'une longue agonie, suite à laquelle le roi déclara « C'est bien la première fois qu'elle me cause du souci. » Louis XIV, le roi Soleil, épousa Marie-Thérèse, mettant un terme à une longue période de guerre entre la France et l'Espagne. C'est un très vieux jeu. Deux boucliers et une couronne blanche. La reine blanche, peut-être ? De la chauve-souris se déploie. Chevalier réfléchit le rayon de lumière. Thank you.
La reine blanche, prise au piège. Je dois l'aider. Je peux la libérer. Et de la lumière jaillit son amour libéré. Cœur battant, notre aventurière passe la barrière d'un monde inconnu. C'est à maman. La voix est hantée. Par les chauves-souris, dit le chevalier rouge. La reine blanche lui sourit avec curiosité et dit « Non, je n'ai pas peur des chauves-souris. Je n'ai peur d'absolument rien. » Alors, tu m'expliques ? Toi et moi, on chevauche un T-Rex en Égypte. Et papa, il est où ? Au travail. Tu m'obliges à prendre ce qu'il fait. Je serai de retour dans un mois. Amélia, c'est très très important. Je ne peux pas abandonner mes responsabilités. Je suis sur le point... Tu es toujours sur le point. Ton obsession va détruire notre famille. Obsession? Mon obsession? Tu rates l'enfance de ta fille parce que tu pars toujours fouiller des tombes à l'autre bout du monde. Tu pourrais pas te réjouir de ce que tu as. Oh, mais bon sang! Rien ne vous oblige à vous... Papa? Allons, je vous en prie. Vous le faites comprendre, c'est certainement la plus importante de toutes mes découvertes. Bon, ok, qu'est-ce que je dois... Qu'est-ce qu'il faut? Papa? Papa! Donc une montagne couronnée d'argent? Ouais. Je me demande bien ce que la jungle nous réserve aujourd'hui. Oh, je sais pas, mais on s'en sortira.
Ah, ça peut pas être pire qu'hier, pas vrai? Thank you.
C'est une caméra X700. Sam en avait une. J'en étais tellement jalouse. C'est exactement ce qu'il faut pour partir en expédition à la recherche d'une civilisation oubliée ou d'un monument. Sa présence ici prouve bien que des gens sont venus dès les années 80. Même si le monde moderne se moque d'eux, certains rêvent encore d'anciennes légendes. L'objectif est fêlé. On dirait presque qu'il a reçu un projectile. Juillet. En me réveillant ce matin, j'ai vu mon père triturer son mouchoir entre ses mains, les yeux écarquillés, regardant fixement dans la direction de Raleigh. Ce dernier avait succombé à ses blessures. L'infection se propageait déjà depuis plusieurs jours quand la fièvre s'est emparée de lui. Entre sueurs froides, grognements de douleur et divagations délirantes, Raleigh avait trouvé la force d'aller de l'avant. Père avait tenté de le ramener à la raison et de le convaincre de rebrousser chemin, de nous laisser porter la torche, mais Raleigh nous a fait comprendre que lui tourner le dos revenait à le laisser pour mort. Nous avons repris la route. Jamais nous n'avions été aussi loin de la civilisation et pourtant, péniblement, nous continuions à avancer. Adieu, mon vieil ami.
Il y a une route. Allons voir ça. Qu'est-ce qui se passe? Merde, les trinitaires, plante-toi. Merde. C'est coincé. Je vois ça. On va régler ce problème. Reste derrière moi. Comment tu veux que je le sache? Qu'est-ce que tu fais? Recule, cache-toi. Toi, l'expert en logistique, non? C'est pas moi qui me suis engagé sur un pont pourri. Oh, une seconde! Je m'en occupe! Pas besoin, c'est des alliés. Et reste quelqu'un vigilant. Quelqu'un devrait jeter un œil. Je m'en charge. Ça là, que personne puisse passer. Je veux que toute la zone soit bouclée. Oui, chef. Il y a quelque chose. On finira par le trouver. Ça remonte à quand, sa dernière révision? C'est tout. Pas distraire, Mendes. Qu'est-ce qu'on cherche, au juste? Tout ce qui bouge. Mais aussi tout ce qui bouge pas. Ils ont toujours pas trouvé cette relique. Ça se trouve, je suis tombé dessus. Je te souhaite pas. Pourquoi pas? Tu serais un héros. Tu serais mort, surtout. Tu pars d'une chance. Je préfère rester là, surveiller la zone. Taisez-vous et cherchez, messieurs. Bougez-vous un peu le cul. Oui, chef. Quoi, ton équipe? Je vais voir. On les paie pas pour faire du tourisme. Faut qu'on se cache là-dessous. Ouais. Le temple principal, on connaît. Là, ce qu'on cherche, c'est des ruines plus petites qu'on aurait pu louper avant. C'est bon. Je vois pas comment on peut faire. J'ai peur qu'on le perde si on bouge. On va devoir renforcer le pont, je crois. On a du mal à... Pourquoi t'as pas fait un test, je te disais? Ah, je suis à peu près sûr qu'on a testé le pont en premier. Je t'emmerde. C'est pas de ma faute tout ça. On peut peut-être tirer dessus avec le camion. Ok. Peut-être. Laisse-moi réfléchir. On peut se les faire. Ok. Ouvre la bouche. Je vais m'occuper d'eux. Quoi? Plante-toi. Dev! Samy! Ah, c'est le type. Je leur ai dit de commencer par le pont. Non mais putain! Dev! Dev! Samy! Putain! Bouge pas! Merci. Ça va? Ouais. Prends ça! Oh. J'espère qu'on sera tranquille. C'était moins une. Ouais. Qu'est-ce qui les a conduits ici? Je sais pas. C'est pas exactement le genre de civilisation que j'espérais. J'ai le bras qui gratte. C'est que tu guéris.
J'en viens presque à regretter quand j'étais blessé. Oh, je comprends. J'essaye très fort de pas penser à mon dos. Tu sais, ma grand-mère a survécu à un tsunami dans les années 60. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a perdu des amis. Et sa famille a perdu son affaire. Après ça, elle pressentait les catastrophes. Les éruptions volcaniques, les tempêtes. Et d'autres choses. Elle était comment, ta mère ? Tu parles pas beaucoup d'elle. Elle était créative, curieuse de tout. Je crois que c'était grâce à elle qu'on formait une famille unie. Après sa mort, j'étais vraiment seule. Tu penses jamais à retourner vivre en Nouvelle-Zélande ? Si, parfois. Pas aussi souvent qu'à Hawaï, mais oui. Tes deux maisons se sont tellement éloignées de... De tout, tu veux dire ? C'est peut-être pour ça que je voyage tout le temps. Ça a marché. Allez, on avance. T'as une idée de ce que pourraient être les jumelles de l'énigme ? Ça peut être plein de choses. Deux monuments, ou des montagnes, des rivières. J'imagine qu'on saura quand on le verra. Ouais. Je vois des gens plus bas. J'espère qu'ils sont sympas. Je vais te laisser faire la causette. Bonjour. Vous connaissez un endroit pas loin où on peut passer la nuit ? Comment vous avez atterri jusqu'ici ? Vous avez perdu votre groupe de touristes ? Non, non. D'autres gens sont passés avant vous. Ils cherchaient des artefacts. C'est vos amis ? Les Trinitaires. Absolument pas. Je ferai volontiers une pause. Suivez-moi. Je suis vraiment désolée de poser autant de questions, mais le seul hôtel de la ville, c'est chez moi. On n'est jamais trop prudent. Au fait, moi, c'est Jonah. Abby. Lara. Je vous en prie, asseyez-vous. Carlos, trois. Et donc, vous êtes là pour quoi, exactement ? Bah, on suivait une énigme quand notre avion s'est crashé. Craché ? Ouais. Et vous vous en êtes sorti sans une égratignure ? Oh, faut dire, on volait assez bas. On est à la recherche de ruines Maya, en fait. Maya ? Mais vous savez que vous êtes au Pérou, là. Oui. Ouais, longue histoire. Ah. Merci. Mais... Vous avez pas, franchement, une tête d'archéologue ? Non, c'est elle, l'archéologue. Moi, je fais la popote. Vraiment ? Oui. Vous avez déjà essayé le ceviche local ? C'est notre spécialité. Faudrait trouver du poisson dans la jungle. Vous avez raté notre célèbre arbre à poisson.
C'est où, cette photo? Au Mexique. Pourquoi? Je crois que j'ai déjà vu ce symbole. Où ça? Il y a des ruines, pas loin, et un petit rocher où on peut voir un truc qui ressemble à ça. Ça vous ennuie si je jette un coup d'œil? Non, je vous en prie. Mais je vous garantis que c'est pas du Maya. Mon peuple descend des Incas, et en est fier. Oh, et si tu te reposais un peu? T'es sûr? Je t'ai promis un jour de repos. Je vais pas cracher dessus. Amusez-vous. Toi aussi. Ami, collègue, elle est géniale. Donc vous êtes pas... Non, non. Non, pas du tout. Non, je suis... célibataire. Intéressant. Créeme, es un borracho. Non, calme. Alors toi, tu es Inca? Non, pas moi. Mes ancêtres, il y a très longtemps. Ensuite, ils ont été Quechua. Et encore après, ça se complique. Je parle même pas la langue. Ouais, je crois que je comprends. Tu es de quel coin? Hawaï et Nouvelle-Zélande. Où tu te sens le plus chez toi? Partout ou nulle part. J'ai surtout vécu ici. J'ai eu ma licence de pilote à Lima, mais quand la compagnie pétrolière a fermé et que j'ai appris ce qui se passait ici, j'ai décidé de rentrer. T'as jamais pensé à vivre ailleurs? Ouais. C'est vrai que maintenant que tout est rentré dans l'ordre, je pourrais repartir. Nunca en mi vida lo había visto tan ebrio como ahora. T'aimes bien le foot? C'est votre sport national, non? Ouais. J'y jouais avant, mais maintenant, j'ai plus vraiment le temps pour ça. C'est peut-être mieux comme ça. Le foot, c'est sympa, mais... le rugby, alors là, c'est du sport. Jamais de la vie. Compte sur moi pour te faire changer d'avis. Tu peux toujours rêver. Nunca en mi vida lo había visto tan ebrio como ahora. Ils sont impressionnants, tes tatouages. Les tiens aussi. T'en as d'autres? Ouais. Quel genre? Ça, c'est un secret. Mais tu les verras peut-être un jour. Nunca en mi vida lo había visto tan ebrio como ahora. Porque solo se emborracha cuando está solo. Como lo hacen los expertos. Bien. Digamos que es verdad. Entonces, ¿por qué no intervienes? Se supone que eres... Es lo que decidió hacer con su vida. Ni eso no me importa. Une nouvelle. Va falloir vous habituer à rien faire. Même si on passe le temps en buvant et en suant. Vous n'êtes pas du coin? Non, je travaille sur un bateau qui s'est échoué pas loin d'ici. La tempête nous a surpris. Il a coulé. Vous voulez qu'on fasse affaire? Oh! Ah, bonjour. Vous êtes avec l'équipe d'excavation? Non, je ne fais que passer. Ok. S'il vous faut quelque chose, le marché est en plein centre-ville. Vous pouvez faire le plein avant de repartir. Merci. Je vous en prie. Ça fait 2 ans que j'essaie de trouver le courage de l'inviter. Et quand enfin je l'ai... Non mais c'est qui ce type? Dieu merci, la tempête a presque épargné le village. L'épicentre était plus proche de l'avion. Mais ça aurait pu être bien pire. Qu'est-ce que j'ai fait? Et si le séisme frappait ici? Des centaines de gens mourront. Je dois trouver un moyen de l'empêcher.
Hé, hey, si vous avez besoin d'un guide dans Kuwakiaku, je suis là. Vous êtes le guide touristique ? Je sais où aller. Et surtout, qui éviter. Je vois. Le meilleur poisson est sur le quai, forcément. Pour les tacos, c'est El Licor des Cerdos. Mais leur bière est tiadas. Je vais me méfier. Ah, et Omar, n'approchez pas de ce type. C'est les ennuis assurés. Il croit qu'il peut débarquer en ville et prendre tout ce qu'il veut. Très bien. Je vais faire en sorte d'éviter les ennuis. Ouvrez bien les deux yeux. C'est bête après tout ce qui s'est passé, mais j'aimerais vraiment faire quelque chose de spécial. Omar. Ah oui ? Ils travaillent depuis des heures. Et ? C'est pour ça qu'on les paie, non ? Du vent. C'est... Oh non, merde. Maintenant dégage et laisse-moi regarder le match. C'est quoi ça ? J'aimerais bien qu'on se débarrasse de ces voleurs. Est-ce que tout va bien ? Non. Tout va très mal, comme d'habitude. Ces pillards ont débarqué, nous ont fait déterrer nos propres reliques et refusent de nous payer de façon décente. Et puis ils revendent tout ce qu'on peut trouver. On est au bout du rouleau. On trouve plus de travail sans pourvenir. On fait des cibles faciles. Et j'imagine que la tempête n'a pas dû aider. Le peu qu'on avait s'est retrouvé détruit ou noyé. Je vois pas comment m'en sortir. J'ai... un peu d'expérience avec ce genre de personnes. Je peux peut-être aider. Je vois pas ce que vous pourriez faire. C'est quoi votre nom ? Lara. Victor. Si vous voulez parler à Omar, notre grand tortionnaire en chef chargé du vol et du pillage, il est ici. Merci. Soyez prudente. Il aime pas qu'on lui manque de respect. Cassie, Omar, vous êtes qui ? Vous cherchez du travail ? Eh ben, c'est pas de chance. On a assez de gens. C'est Marco qui s'occupe du recrutement, de toute façon. Oh, oui, merci. Vous savez où je peux le trouver ? À votre avis, au bar. Huerta se la pasa a Castillo. Castillo aguanta. ¿Aún la tiene? J'aimerais bien qu'on se débarrasse de ces voleurs. Je cherche Marco. Ah ouais ? Pourquoi faire ? Je voudrais juste lui parler. Il a pas envie d'avoir d'ennui. Je lui cherche pas d'ennui. Je cherche du travail. Du travail ? Eh ben... ok alors. Donc, c'est vous Marco ? Dites-moi que c'est pas Omar qui vous envoie pour se foutre de moi. Si l'un de ces animaux s'en prend à mon fils, je vais... Marco, je suis pas avec Omar, je vous le jure. Qu'est-ce qui se passe avec votre fils ? Ah, je me suis fait mal au genou, alors... Omar a pris Pablo pour me remplacer au site de fouille. Il m'a nommé DRH, et il veut que je trouve quelqu'un d'autre, sinon... Sinon, il gardera votre fils. Oui. Mais j'ai peur qu'il refuse de libérer Pablo, même si je lui amène quelqu'un. Eh ben, heureusement que vous avez une nouvelle recrue. Vous ? Vraiment ? Vous feriez ça ? On voudrait pas décevoir le patron, pas vrai ? Merci. Et si vous voyez Pablo, dites-lui. Dites-lui que je suis là. ¡Vaya tu mundo!
Quizás sea lo mejor. Quelqu'un a barricadé le passage. J'ai pas assez de place pour ça. Puisse la soif de pouvoir de Waïta être enfin étanchée lorsque viendra pour nous le temps de le rejoindre dans l'au-delà. Le pont a l'air déployé. Oh, no, man!
Cette pièce est mieux conservée que le reste de la caverne, on dirait. Thank you.